Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fortnite Battle Royale qui cette fois-ci a un concept vraiment particulier. On va essayer de Floor is Lava Challenge tout simplement. Donc essayer de faire un top 1 sans toucher le sol. Alors je vais pas vous cacher, j'ai déjà essayé de faire le challenge plusieurs fois. Ce que je vous propose de le faire, c'est que je vais le revisiter un petit peu parce que il est ultra compliqué à faire quand on ne touche pas le sol du tout. C'est que on va y aller normal jusqu'au top 10 et à partir du top 10 je n'aurai absolument plus le droit de toucher le sol. On peut le faire comme ça parce que j'ai essayé dès le début en plein Tilted Tower, c'est impossible, c'est impossible, c'est beaucoup trop dur. Donc on va aller à Retail Row tout simplement. On va chercher du loot un petit peu normalement. On va essayer de jouer notre top 1 tranquille ou pépère détendu. Et à partir du top 10, on essaiera de jouer avec assez de ressources pour tout simplement se permettre de ne plus toucher le sol. Il faut vraiment que je trouve une arme avant d'essayer de jouer les coffres et tout. Au moins j'ai un péteux, au moins j'ai un shotgun. Et du coup je vais pouvoir aller me permettre de récupérer le coffre au-dessus à l'étage, dans les petits murs ici tout simplement. Alors messieurs, faudrait quand même penser à me dire où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous vous promenez. Ils sont en train de se fighter derrière. Donc on va aller récupérer la fight derrière tout simplement. Il est juste là-bas. Tu t'en tireras pas comme ça, t'inquiète. Hein. Ok. Hop, je récupère sa petite scar. Je récupère son shield. Good. And now we good. J'ai 50 balles, c'est pas terrible, je suis pas très bien, j'ai fait qu'un kill pour l'instant, mais ça va. On commence doucement, on commence tranquillement, au moins on a un petit peu de loot. On en a pas beaucoup, mais si on commence à taper et à tuer des gars, ça devrait le faire relativement vite. On va récupérer encore un petit peu de matériel, parce que sinon ça va être ultra difficile de le faire. Toujours récupérer un petit peu de ressources, hein, on sait jamais. Voilà, 240, et puis je vais continuer à me déplacer en zone, tout simplement, en prenant de la hauteur. Alors, tout ce qui est colline, montagne et tout... Ça compte comme des supports parce que sinon j'arriverai jamais à faire mon défi. Mais tout ce qui est le sol actuellement là où je marche, à partir du top 10, je ne pourrai pas le jouer. Tout simplement. Donc il va falloir que je sois très minutieux sur ma façon de me déplacer et de réaliser mes moves tout simplement parce que sinon je m'en sortirai pas. Il faut que j'arrive à montrer à la terre entière que la formation 4-4 j'ai là-bas était payante pour moi. Dans le sens où, voilà, Anas n'a pas perdu de temps avec moi. J'ai envie de lui prouver que je peux porter la Djellaba d'or. Ok. Mort. Ça c'était un très beau tir de la part du joueur franco-portugais qui a réalisé un shot net sans bavure, éclair comme ça, boum boum. C'était impressionnant pour le coup. Bon, ça fait que 2 petits kills, il en reste encore 30 en vie. Si je me dépêche pas un petit peu, je pense que je vais en chier ma race tout simplement pour réaliser ce petit défi. Donc il va falloir que je prenne un petit peu d'avance, je vais récupérer la trousse, il en a une. Et là, il y a moyen que je récupère du bois. Donc il va falloir que je m'organise. J'ai que 80 balles en plus. Je vais récupérer du bois. Tant pis, il faut que je le prépare mon top, j'ai pas le choix. Vraiment j'ai pas le choix. Je vais laisser 52 vies aux arbres pour. Oh. C'est dans Salty. C'est dans Salty. Dans Salty il y a du monde, il va falloir que je sic. Le loot est là. A mon avis, ils sont enculés là-dedans. Ok, mort. Good. Je savais qu'il était là dans le coin, c'était obligatoire. Top 24. Va falloir que je commence à faire très attention à toutes sortes de déplacements. Ok, top 22. Lui, va falloir que je l'encule. On est parti. Ok, good. Top 19, on continue à récupérer le matériel des autres. Attention, on va arriver en top 10 et à ce moment-là, on n'aura plus le droit de déconner du tout. Ce sera no joke. Donc il va me falloir un truc pour déblayer tout simplement tout le matos des autres. J'ai 170 balles de pompe, 400 d'AR, ça devrait aller. Je suis à peu près good. Donc il me reste une minute pour me déplacer sur l'objectif que je voulais en faisant attention aux ennemis à côté. Sachant que maintenant, j'ai plus du tout de snipe. Donc je vais peut-être pas pouvoir jouer celui sur la colline là-bas. Il m'a vu, il m'a vu. Faut vraiment pas qu'il me joue. Je vais éviter de lui taper dessus parce que sinon je m'en sortirai pas du tout en fait. Ça risque d'être vraiment beaucoup trop compliqué pour le coup. Top 15, on avait dit qu'à partir du top 10, je n'avais plus le droit de toucher le sol. Donc il va vraiment falloir que je me mette à l'abri. Et très vite fait. A few moments later. Tant qu'on n'est pas dans le top 10, c'est good. Je peux me promener.
Aïe 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 aïe. Ça me paraît compliqué, hein. Difficilement réalisable ce top, mais c'est pas grave, je vais le faire. Donc je vais jouer sur les hauteurs tout simplement au début, parce qu'on avait dit que les montagnes ça comptait effectivement comme bah, tout simplement un refuge. C'est effectivement le sol là où je suis qui sera en feu à la fin de cette partie. Donc là, dans 4 players, le sol commencera à s'embraser pour White Shark. Ok, c'est good, c'est très bien White, tu as une très bonne position ici. À toi maintenant de faire le travail, tu n'as plus le droit de toucher le sol. Ok, nickel, une petite tour, je peux encore prendre un de hauteur je pense. Ok, donc là j'ai une vue d'ensemble sur un petit peu tout, sur toute la zone. Hein. Donc je suis pas trop mal effectivement, je suis en bordure de zone. Si je ne fais pas l'idiot, il va falloir que je consolide tout ça, que je puisse me barrer après. Voilà. Comme ça, après, je pourrais effectivement m'échapper. Donc, il va falloir que je sois très, très intelligent sur mes déplacements. Donc, je vais renforcer un petit peu toute ma base. Voilà. Éviter de me faire flanquer de ouf partout, tout simplement. Tout ça, ça a été renforcé. Good. Tant qu'on ne me pète pas la base, je suis correct. Donc là, top 10, j'ai effectivement plus du tout le droit de toucher le sol. Il va falloir que je fasse attention à tous les petits gars là qui arrivent. Donc là-bas, il y a un gars qui me regarde, il va essayer de m'enculer, et c'est le premier qui va me tirer dessus. Donc je peux peut-être éventuellement essayer de le souffler. Ah, il va se faire rush. Et on va les souffler, c'est parti. Allez, 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 on va lui détruire sa petite truc là. On va lui détruire toute sa base. Vas-y, répare, tout va bien. Top 8. Je sais pas si je suis encore en zone ou pas en fait. C'est bon, ça tient. Je vais accrocher un petit peu des pièces partout. Que ça tienne tout simplement. Hein. On va essayer de consolider ça à chaque fois. En avançant tout simplement. Il y en a un qui me tire dessus de je ne sais où. Non. Tu peux pas faire ça, casse pas ma tour. Il y en a un qui est en train de me niquer la tour par en dessous. Ça va être beaucoup trop dur. J'ai plus le droit de toucher le sol. Je n'ai plus le droit. Faut que je fasse très attention. On est dans le top 8 là. Talot, il a failli m'enculer. Oh, c'est terrible comme expérience. J'ai failli me casser la gueule et ruiner tout le top. Donc on va avancer avec la zone, délicatement. Voilà. On avance avec la zone. On avance avec la zone. We good. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. L'autre, il fait des méga escaliers. Je vois même pas ce que c'est en vérité. Hein. Il faut absolument que j'arrive à lui détruire sa passerelle. Merde. Tombe, tu n'as pas le droit de t'accrocher. Tu n'as pas le droit. Faut que les balles, elles touchent absolument ces constructions. Il y en a un qui va me tirer dessus de la droite. Peut-être que je détruise ça, du coup. Allez, encore une ou deux balles dans l'escalier, et puis c'est bon. Allez. Non, ça c'est pas bien. Oh, il est vraiment fâché, lui. Oh, j'ai construit comme une merde. C'est tout qui me tire dessus là. D'où qui me tire dessus? Il toi, White. J'y arriverai pas, j'aurai jamais assez de construction.
Lui il est en plein dans la zone en plus je crois. Ça va être tellement difficile. Va falloir que je construise en bordure de zone. Même peut-être dans la zone pour sortir de la zone. Ça va être terriblement compliqué, je sais pas comment je peux faire ça. Je vais les laisser s'enculer. Lui il s'est fait une tour là-bas. Sept constructions qui me restent. Seulement 7. Est-ce que si je casse un truc, ça me rend pas de matériel, je crois. Non. Ça me rend pas de matos. Je sais vraiment pas comment je peux faire ça. Il en reste 3 en vie. Je n'ai plus de quoi construire. Ma vie est terminée. Battez-vous jusqu'au bout. Bats-toi, White. Bats-toi, White. Ta vie est finie, de toute façon. Non, dommage. Écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura extrêmement plu, c'était un concept vraiment super intéressant et je pense que si j'avais eu plus de ressources, j'aurais peut-être pu m'en sortir. J'ai joué, j'ai perdu, voilà, ça fait partie du challenge. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir, à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que c'est entièrement gratuit. Et puis, à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme challenge suivant. Voilà les amis, c'était White, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.